Hey, coucou les amis, c'est Davy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, les amis, je vais faire la vidéo de la partie 2 de la première vidéo. Voilà. Rappelez-vous, la première vidéo, c'était, je vais vous faire voir en fait. Enfin, la vidéo, c'était, je vous fais voir mon inventaire d'animaux sur Adopt Me. Et c'était marqué dans le titre partie 1. Et là, c'est la partie 2. Donc la partie 2 consiste à vous faire voir mes véhicules. Voilà, mes véhicules dans Adopt Me. Et puis ben, voilà les amis. Donc c'est parti. Donc avant que la vidéo commence les amis, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et de commenter la vidéo aussi. Et les amis, j'ai posté une vidéo il n'y a même pas une heure. Je suis vraiment désolé. Je vous ai fait croire que j'allais vous donner mon compte Roblox. Donc voilà. C'était une petite plaisanterie. Mais j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Voilà. Et donc voilà. Donc les amis, la vidéo va commencer. Je vais vous faire voir mon inventaire Roblox. C'est parti. Alors pour commencer les amis, je sais que certains d'entre vous, vos parents ne veulent pas acheter tout ce qui est pets à Robux, véhicules, tout ça. Bah, voilà. Donc c'est normal si vous l'avez pas, si vous avez pas ce genre de véhicule dans votre inventaire, c'est que vos parents ne veulent pas, ou alors vous avez pas eu vous voyez, de carte Roblox pour acheter des Robux. Donc voilà, bon, je commence. Alors pour commencer les amis, nous allons aller dehors, voilà, parce que voilà, nous allons dehors pour essayer les véhicules bien sûr. Alors le véhicule qui est dehors, c'est absolument pas à moi. C'est sûrement à la voisine de la maison bleue d'à côté, voilà. Ça c'est ma maison, voilà. Elle est magnifique, hein. Alors je vais vous faire voir mon véhicule. Voilà mon véhicule. Il faut savoir que ce véhicule coûte 1000 Robux dans Roblox, voilà. Le même prix que pour changer son pseudo dans Roblox. En fait, vous achetez cette voiture, mais pas que cette voiture, pour 1000 Robux. Vous avez cette voiture-là, enfin, que j'ai en ce moment, et cette voiture-là. Mais une des trois voitures, je ne pourrai pas vous faire voir, car elle est bloquée sur un autre compte Roblox, et je peux pas la transférer. Voilà, les amis. Ensuite, seconde voiture, c'est pas vraiment une voiture, c'est plus pour gagner de l'argent. Voilà, c'est un marchand de glace. Voilà, petit marchand de glace sympa. 10 centimes la glace, ça fait un peu cher, mais il faut bien faire rentrer de l'argent, les amis. Oui, vous êtes d'accord avec moi? Bon, petit marchand de glace, voilà, il est sympathique. Voilà, petit marchand de glace. Voiture suivante, c'est une voiture rouge, voilà, qui fait partie du lot des trois voitures, je crois. Non, excusez-moi. Cette voiture-là fait partie d'une maison que vous achetez dans Adopt Me, bien sûr. Il faut avoir des Robux. Alors cette maison, elle est où? Je la cherche, les amis. En tout cas, elle est dans une maison qu'il faut payer avec des Robux. Voilà, c'est celle-là. Millionnaire, mansion, luxury. Car c'est-à-dire qu'il y a une maison plus une voiture, voilà. C'est la maison de riche plus avec une voiture de riche, voilà. Et j'ai gagné, enfin j'ai gagné, je l'ai payé, hein. J'ai eu cette voiture-là grâce à cette maison, voilà. Prochaine voiture, les amis. Ça, à date de la mise à jour d'Halloween, voilà, une petite voiture. À date de la mise à jour d'Adopt Me. C'est pas moi qui l'ai acheté, on me l'a donné en trade. Voilà. Seconde voiture, cette voiture-là, je l'ai payée avec une autre maison dans Adopt Me. Je vais vous faire voir c'est laquelle. Oups, c'est pas ça.
dans la boutique et c'est cette maison, c'est cette maison-là, pardon, Celebrity Mansion plus SUV. Voilà, c'est la voiture d'une autre maison de célébrité. L'autre, c'est une maison de riche et celle-là, c'est une maison de célébrité. Seconde voiture, c'est bah, c'est la voiture du lot des trois voitures de Amine Robux. Voilà, c'est une voiture rose. Il faut aimer, c'est plus pour les filles que les garçons. Mais je suis d'accord qu'il y a aussi des garçons qui aiment le rose. Mais il faut aimer. Voilà, ma préférée dans tout ça, je vais vous dire juste après, vers la fin de la vidéo, c'est laquelle ma voiture préférée. Ensuite, cette voiture-là, je l'aime bien aussi. Alors, je sais pas si vous savez, cette voiture-là, comment on fait pour l'obtenir? Eh bah, devinez quoi? Il faut avoir des Robux, bien sûr. Mais je sais plus c'est quoi le prix, parce que vu que je l'ai acheté, maintenant, je ne vois plus le prix affiché. Mais je pense, je crois que c'est dans les 400 Robux, je crois. Je vais vous faire voir ça tout de suite, les amis. On va y aller, justement. Je vais vous faire voir l'endroit en question où on peut acheter cette voiture. Alors, cette voiture-là, vous pouvez la voir en achetant le badge VIP dans Roblox. Voilà. En gros, quand vous achetez le badge VIP dans Roblox, voilà, qui est au milieu. Vous pouvez avoir cette voiture qui est juste à côté de moi, qui est la même que la mienne. Vous pouvez avoir cette voiture-là. Et ensuite, avoir accès à la pièce VIP qui est juste devant. Voilà, devant quoi. Vous y rentrez, voilà. Vous rentrez dans la pièce VIP. Voilà. La pièce ressemble à ça si vous l'avez jamais vu, que vous n'avez pas de Robux. La pièce ressemble à ça, voilà. C'est une pièce comme ça, voilà, VIP. Et vous avez de la nourriture à volonté dans Roblox, enfin dans Adopt Me, pardon. Mais seulement que dans le club VIP, vous ne l'avez pas ailleurs, voilà. Et donc voilà. Alors je vais sortir et je vais vous faire voir la seconde voiture que j'ai dans mon inventaire, Adopt Me. Alors la seconde voiture, les amis, c'est celle-ci. Celle-ci, par contre, elle ne coûte pas de Robux. Elle coûte de l'argent du jeu. En fait, il faut juste bien s'occuper de votre pet. Et jouer tous les jours à Adopt Me pour avoir un petit peu d'argent de temps en temps. Et aussi avoir de 20 dollars par chaque... Pas par chaque minute, mais je sais plus, mais vous gagnez 20 dollars à chaque fois et vous cliquez, vous avez 20 dollars dans votre cagnotte. Ensuite, vous allez ici pour avoir cette voiture-là, il faut aller là. C'est le magasin de voitures, tout simplement. Après, vous allez ici, elle coûte 1600 Robux, voilà. Il faut avoir les sous, il faut avoir les sous, puis vous pouvez l'acheter. La prochaine voiture, les amis, c'est celle-ci. Celle-ci, oui, ça c'est pas une voiture. Ah si, c'est une voiture. C'est pas vraiment une voiture, on va dire. C'est plus une boule, vous voyez. Une petite boule. Et en gros, vous pouvez rouler avec, aller dans l'eau avec et tout. Mais genre, ça fait... La boule là fait trop penser, vous voyez, au... A fait penser à, je sais pas comment je peux vous dire, a fait penser à la fête foraine, vous voyez, il y a des stands avec plein de boules en plastique et tout, vous rentrez dedans et vous roulez avec sur l'eau et tout. Ça j'aimais trop quand j'étais petit, vous voyez. Ah, oups, désolé. Ensuite, le prochain véhicule, les amis, c'est ça, un truc de clown, voilà, rien d'intéressant. C'est Si vous trouvez ça dans les petits cadeaux, souvent. À 300 dollars, je crois.
Cette voiture-là qui coûte aussi des dollars du jeu, voilà. Oups, c'est pas grave, on va aller voir directement le magasin. Mais je pense que vous connaissez déjà cette voiture-là, c'est la plus connue du jeu, voilà. Elle coûte seulement des dollars, elle coûte pas de Robux, celle-là non plus. Allez, allez, allez où? Allez ici, voilà les amis, à 900 dollars, voilà. Bon, ça va, 900 dollars. Moi d'ailleurs, je suis pratiquement à 900 dollars. J'ai 864 dollars. Et à la fin de la vidéo, les amis, je vais acheter un œuf. Voilà, je vais acheter un œuf. J'ai envie d'acheter un œuf. Un fossil egg. Enfin, je vais voir. Après, j'ai cette voiture-là qui coûte aussi des dollars. Voilà. Je vais vous faire voir le prix de cette voiture. Mais je pense que vous la connaissez aussi. À 1100 dollars. Voilà, c'est un peu plus cher que celle-ci. Et ensuite, pour les véhicules, les amis, bah, j'ai des vélos. Et les vélos, vous les trouvez. Et je re-rentre à l'intérieur, bien sûr. Et les vélos, vous les trouvez pour le prix de combien? De 75 dollars. C'est pas excessif. Après, vous avez les plus grands vélos à deux places, à 300 dollars, vous voyez. Là, la moto à 400 dollars. Et à ce véhicule-là, je ne l'ai pas, à 1200. Celui-là non plus. Et sinon, j'ai tous les véhicules, 1800. Bon, bah voilà, les amis. Pour terminer la vidéo, les amis, je vais aller au stand des acheteurs d'œufs. Enfin, au stand des vendeurs d'œufs. Vous voyez où on achète les œufs, tout ça. Allez, c'est parti, on y va avec ma voiture préférée, les amis. C'est celle que je préfère. Voilà. C'est celle-là parce qu'elle est hyper jolie et tout. Je l'aime trop. Voilà. Bon, on va acheter l'œuf que je veux. Alors, l'œuf que je veux, je vais voir ça parce que j'ai 800 dollars. C'est quand même pas rien, vous voyez. Je sais pas, j'hésite entre acheter ça, acheter le fossile egg. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo? Entre fossile egg et le truc 350 dollars, 600 dollars, je ne sais pas. Vous préférez quoi, les amis? De toute façon, j'aurais déjà acheté l'œuf. Que quand vous aurez vu la vidéo, j'aurais déjà acheté l'œuf. C'est, ça serait trop tard en fait. Ça aurait été trop tard. Donc, vous préférez quoi? Moi, je sais pas. Allez, Davy, il faut choisir. Alors, je sais pas. Je vais y réfléchir, les amis, et on se retrouve dans la vidéo. J'ai pas du tout coupé le montage, hein. Mais je pense que j'ai choisi mon œuf. Et mon œuf, je vais prendre. Bon, allez, il faut se dépêcher. Je vais prendre deux. Non, pas deux comme ça. Je sais pas. Bon, allez, il faut se décider, hein. C'est bon. Voilà les amis, j'ai acheté mon œuf. Je vais faire une autre vidéo où je vais vous faire voir l'évolution de mon œuf et quand il éclore. Voilà, je vais vous faire voir une vidéo comme ça quand il éclore et l'évolution de mon œuf quand il me demande à manger. Voilà, tout ça. Et le seul œuf que je n'ai jamais acheté pour l'instant, c'est celui-là. Mais celui-là, il est, je trouve qu'il est, il est cher. Il est très très cher. Il est cher quoi. On va pas se le cacher, c'est énormément cher. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager à vos amis. Et de la commenter, c'était Davy. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Et surtout, les amis, n'hésitez pas
de me demander en ami sur Roblox et rejoindre mon groupe Roblox, ça coûte rien du tout. Ça vous coûte rien du tout. Et donc vous me demandez sur en ami sur Roblox. Et moi ce que je fais, c'est que je vous accepte en ami. Je crée un groupe avec votre profil Roblox. Et ensuite, je vous supprime de mes amis. Comme ça, je peux parler à vous tous, mes abonnés. Vous voyez, en privé, tranquillement, grâce à des groupes Roblox. C'est limité en plus. C'est pas limité à 200, vous voyez. Je peux parler à tout le monde, jusqu'à 400 gros, 500, enfin, m'importe. C'est pas limité comme si qu'on. En fait, c'est comme si j'avais beaucoup d'amis, alors que j'ai à peu près 30 amis sur Roblox, vous voyez. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas de la partager, la liker, la faire voir à vos amis pour que s'ils veulent s'abonner aussi à mon compte YouTube, voilà. Donc c'était Davy, ciao.